Hello everyone, salut à tous, c'est Jojo World et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur H1Z1. Donc dans cette vidéo, l'objectif sera de vous montrer comment défendre sa base et comment organiser sa base principale. Ça a l'air tout simple comme ça, mais je peux vous assurer que sur toutes les attaques qu'on a fait, très peu de teams savent comment se défendre. Donc pour ce faire, on divisera la vidéo en deux parties. Donc la première partie se situera sur une carte où je vous expliquerai comment disposer vos bases de manière stratégique. Et la seconde partie se déroulera à l'intérieur de notre base principale au précédent wipe pour vous expliquer comment organiser votre base principale. J'espère que la vidéo vous aidera à mieux comprendre. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions à propos de la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, sans plus attendre, on va basculer sur la carte. Donc comme promis, on se retrouve sur la carte. On va s'intéresser à la partie mystypique tout simplement en fait parce que nous, on a décidé en fait de placer notre base dans l'eau, juste à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de choisir un bon endroit pour sa base. Donc qu'est-ce que c'est? Vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'un bon endroit en fait pour sa base. Donc c'est un endroit qui est dégagé. Nous, on a choisi et on préfère mettre une base dans l'eau étant donné que ça ralentit l'adversaire lorsqu'il veut y arriver. Et l'avantage du barrage, c'est que tout est desservi par des ponts. Et donc c'est beaucoup plus simple de couvrir des ponts plutôt que des bâtiments et des plein d'endroits où les ennemis peuvent se cacher. Donc là, l'avantage en fait, c'est qu'on a carrément le libre accès sur tout le reste. Autre chose, donc pour défendre sa base, comment ça se passe? Donc bien sûr, vous l'aurez compris, ce ne sera pas à partir de la base principale. L'objectif pour défendre sa base, c'est de construire des bases de sniping. Et donc les bases de sniping, il faut les construire tout autour. Donc grâce à ces bases de sniping, vous allez pouvoir neutraliser toutes les personnes qui voudront s'approcher de votre base. Et si jamais vous êtes attaqué, il faudra placer au préalable des armes, des balles et des soins dans chacune de ces bases pour qu'elles soient opérationnelles. Le but d'une base de sniper, c'est qu'elle soit autonome, d'accord? C'est qu'on peut déposer un mec à l'intérieur, il peut y rester pendant 2h, 3h, 4h, 5h, sans jamais manquer d'eau, sans jamais manquer de soins, sans jamais manquer de balles. Parce que si un joueur arrive à tenir sa position au niveau d'une base de sniping, il doit la garder jusqu'au bout. Donc voilà, ce qui pourrait être intéressant également aussi, c'est d'avoir dans toutes vos bases des flèches explosives. C'est très très utile pour la défense et pour l'attaque. Donc quand il y a un véhicule qui passe, ça vous permet de détruire le véhicule d'un coup. Si les ennemis sont de l'autre côté d'une gate, ça vous permet de les tuer d'un seul coup ou alors de les faire reculer au moins. Et donc s'il y a des IED qui sont posés devant une porte, n'hésitez pas à les faire exploser et à réparer au fur et à mesure. Si jamais vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans la base principale, utilisez des shelters pour bloquer toutes les entrées, ce qui fait que les ennemis seront découragés d'attaquer votre base. Une dernière chose concernant la défense de la base, donc ça va être le contrôle du spawn. Donc là on peut voir que le spawn est en G5 et donc l'objectif pour vous c'est de construire une base autour de cette position là. Ce qui fait que, mettons que vous êtes 10, 12, 13 joueurs, j'en sais rien, et que parmi vous 6 personnes meurent et elles retournent au spawn et du coup elles ont rien. Si les ennemis se mettent entre le spawn et vous, ou alors s'ils tournent autour du spawn aussi pour le protéger, vous aurez rien pour vous défendre. Et donc vous vous ferez chain kill. Donc au fur et à mesure, les ennemis prendront le dessus sur vous. Donc l'objectif, c'est de poser une base autour du spawn avec du stuff et cette base sera utilisée uniquement en cas d'attaque et jamais avant. Parce que si vous vous amusez à l'utiliser tous les jours, cette base à chaque fois que vous mourrez, vous perdez 3-4 balles, vous perdez 3-4 balles, au final le jour d'une attaque vous n'aurez plus rien à l'intérieur. Donc voilà, je pense que pour moi on a fait le tour au niveau de la défense et donc je vais vous montrer simplement comment organiser maintenant votre base principale à l'intérieur. Et donc je vais vous laisser regarder ça tranquillement en musique. A tout à l'heure, on se retrouve à la fin de la vidéo.
Et nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment défendre et organiser votre base. Et surtout, n'hésitez pas à poster un commentaire si jamais vous avez des questions, si vous avez des problèmes par rapport à ce que j'ai dit. Je me ferai une joie de vous répondre. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine sur de prochaines vidéos. C'était Jojo World. À bientôt.